Nous venons de sortir de la guerre et il fallait rassembler au moins les intellectuels pour prendre une position. D'autant plus que la colonisation nous avait divisés, chacun était chez lui. Et Aline Diop, que j'ai rencontré à Dakar en tant que chef de cabinet du gouverneur, du haut-commissaire Béchar, m'a parlé de ces rassemblements et de la naissance d'une société et même d'une revue. C'est ainsi qu'on a gardé le contact. Et bien plus tard, la société a été créée, Représentance africaine, et on s'est réunis en 1956 à Paris. C'est la première fois, la deuxième fois que je suis allé à Paris. La première, c'est au mois de juillet, si je ne me trompe pas, par le gouverneur général, comme c'est toujours, comment ça s'appelle encore, Mesmer, qui m'a donné un billet pour aller voir Paris, parce que, la France, parce que je ne connaissais pas Paris. Parce qu'il parle des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, je ne connais pas. Je dis, comment je ne connais pas? Bon, il a dit au gouverneur qu'elle a donné un billet pour aller à Paris, pour une semaine. C'est ainsi que je suis parti à Paris. Et ma dixième fois, c'était pour le congrès. On s'est rencontrés là-bas, on a rencontré beaucoup d'amis, des gens, des Africains venus de tous les bords. Et c'est ainsi que nous allons avoir l'AMSAC, la Société américaine de culture, aux États-Unis. Et par-ci, par-là, c'est là la création. On a vu des gens venus de l'Afrique du Sud, des Antilles, de la Guyane, de partout. C'est que Haïti, surtout Haïti, avec Passe-Mars, et on avait eu des amitiés. Et ainsi, on peut dire qu'il y a une liaison entre les intellectuels noirs des Amériques, de l'Afrique et d'ailleurs. C'était une rencontre très fructueuse pour nous. Parce que New York, c'est en 1956, le premier. Un bon matin, j'ai un billet grâce à l'UNESCO, pour aller à Paris, comme ça aux États-Unis. C'est l'UNESCO qui m'a donné le billet. Oui, c'est une chance d'ailleurs, parce que si j'avais été ici, aux événements de 63, l'arrestation de la purge, moi je ne sortais pas de prison. Donc c'était un bon voyage. Et je dis, c'est la première fois que j'écris un livre. Et, soit quand j'écris un livre, je laisse 6 mois, 1 an de côté et je le relis. Je le relis pour voir. Mais pour Patron New York, eh ben, je suis arrivé. Ma femme était, mes enfants étaient déjà sur la maison pour une histoire de complot, toujours. Et j'écris, je donne la frappe, je fais lire par une autre, et puis on l'envoie, comme ça, présente. C'est la première fois. Bon, moi, j'ai vu les Noirs américains. J'étais à Harlem, tu vois comment ils se comportent. Le rapport entre blanc et noir, j'ai vu. Et ensuite, j'ai vu la Nouvelle-Orléans, je demande. Où sont les toilettes? On me dit qu'il n'y en a plus. Donc les temps ont changé. Quand on a au restaurant, j'ai vu des blancs, plus blancs que les papiers. Une femme, des femmes, plus blancs que c'est les papiers qu'il y a. Mais ils sont avec les noirs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a eu, ses parents ont eu une goutte de sang noir dans la. Donc, ils n'ont pas ça en France. Tandis que là-bas aussi, c'est sûr qu'il existe encore. Il ne peut pas se défaire de certaines antériorités qu'ils ont dans le sang. Et même nous, nous qui nous sommes colonisés ici, il y a des blancs qui ne changent jamais, ni des noirs aussi, avec les rapports. Donc c'est un effort commun que nous avons fait les uns les autres pour que le monde soit vivable. Alors, il appartient aux écrivains de dénoncer des choses comme ça et en même temps d'avoir. D'appeler l'attention des gens sur de tels cas. C'est tout. Mais il faut dire que les États-Unis, c'est la première victime des Noirs, non? Hein? Amazon.